Non, vous avez beaucoup de monde dans le chat, je vois ça, c'est... Puis toi, David, c'est quoi qui se passe côté musique? Là, je t'ai vu dans les festivals, je t'ai vu un peu partout, je t'ai vu dans un festival, je pense que c'est Rototom. T'es-tu allé à Rototom? Je t'ai vu à quelque part dans un gros festival à un moment donné. Non, c'était en Suisse. C'était le Festival Monde de Couleurs en Suisse. Oui, Monde des Couleurs, Perfect Guidimani était là aussi. Oui. Oh ouais, non. J'étais bien content quand j'ai vu que tu participais à ça. Comment ça a été? Ça a été aimé l'expérience, oui? Ah bon, c'était la deuxième fois que j'ai participé. J'y avais participé il y a quelques années. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Et franchement, c'est pas mal. Déjà, c'est un festival gratuit. Tu ne payes pas pour voir les artistes. Il y a de sacrées pointures qui y vont. Et bah, c'est super. Hein, les Suisses, ils sont cool, quoi. Ben, c'est ça, c'est important aussi d'avoir un petit peu de donner accès au festival comme ça. Comme tu dis, c'était gratuit, là, c'est super. Là. Ça, il y avait une grosse palette d'artistes, là, il y avait des gros noms. Là. T'sais, moi, j'ai lu les noms qu'il y avait là-dessus, puis j'étais là, tabarouette. Puis là, j'ai lu dans ça David Benz. I'm like, hey, that's my bro! J'étais bien, bien content pour toi, j'étais super heureux pour toi. Mais est-ce que tu as d'autres festivals qui s'en viennent aussi? Qu'est-ce que tu nous prépares côté musique, là? En ce moment, je suis. En gros, je me mets en mode home orchestre avec un tumblak. Donc, le tumblak, c'est le djembé antillais. La différence entre, on va dire, le djembé antillais et le djembé africain, c'est que le djembé africain, il est taillé dans un tronc d'arbre ou une grosse branche, tu vois. Il est sculpté dedans, quoi. Alors que le djembé, le tambour antillais, quoi, ou caribéen, c'est pareil, c'est des lattes de bois, c'est des tonneaux, carrément reconvertis en tambour, quoi. Ah, OK, ils associent des morceaux de bois ensemble et puis ils font un tambour avec ça. C'est ça que je me demandais, comment ils construisent les drums? Il y en a qui doivent être construits à partir de troncs d'arbres directement. Et... C'est ça. Ils creusent, tu vois, ils taillent la forme. Genre, ils taillent la forme avec la hache, et après, ils ont ils tapent dedans pour creuser le trou, après, ils tapent de l'autre côté, ils le polissent bien et tout. Après, voilà, ils vont chez le forgeron, il fait le cerclage, tu vois, après, ils tendent la poule dessus. Ah non, c'est vrai, c'est un art faire des tambours. C'est toute une science, voilà, c'est tout un art, toute une science. Voilà, et on va dire en orchestre. Donc, je fais en sorte qu'on puisse penser qu'il y ait plusieurs musiciens. Parce que, voilà, je joue. En gros, je tape du. Donc, j'ai mon tambour là. Je tape dessus, mais en même temps, j'ai le maracas. Le maracas, je tape sur le cerclage. Ça fait déjà un rythme. Puis, si on entend ça. Il y avait deux personnes déjà, plus celui qui joue au djembé, plus celui qui joue au kazoo, et plus celui qui chante, on va dire. Fais-nous donc un petit rhythm, là. Ah ouais, donc, fais-nous donc un petit rhythm, là. OK. Bougez pas. Là, j'ai David Benz, live and direct avec moi, ça me prend un petit rhythm, là. OK, d'accord, mais je pense que ça va... C'est bon. He's getting set. J'oublie pas les gens dans le chat. Il y a beaucoup de monde dans le chat. Radio Terre Plate, Faz Leon, Big Up Faz. Radio Terre Plate, je le reçois la semaine prochaine à la rencontre de. Donc ça sera à la rencontre de John Connor sur Radio Terre Plate. Ah, c'est bien ça. Je vais regarder ça. Voilà, salut Faz Leon, salut John, Marie-Noël, je me rappelle pas si je t'ai salué ou pas. D'habitude, il y a des noms que je ne connais pas. Coucou Dorothée, Hydrogène, salut Titi, salut Zaraki, voilà ce que je n'ai pas salué au départ. Salut Stélie,
Osiris, salut. Et qui doit ouais, voilà, les gars, les autres, je les ai salués. J'espère que je n'ai pas oublié. La voix des flammes. La voix des flammes. Que je reçois le 1er octobre. Ou 7. 7 ou 7, je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant, ben, je vais vous faire un... J'espère que ça ne va pas laguer pendant que je joue. Je recherche le voici. Parce que ça prend des... Il y a ça. On peut s'accrocher, je sais pas, au pied ou à la main. Envoie la sauce, Dada. Mr. Kell. Avant d'envoyer la sauce, il faut la préparer. Donc, je vais te comme les Hare Krishna. Et cool, t'as ça attaché à ton pied, hein? Voilà. Ah. Attends, je vais pousser un peu le truc. Pour... Je vais pousser un peu la table. Je vais me mettre de manière à ce que je sois plus visible. Un peu les micros. Voilà. Ça. Je vais prendre ça au bout du cou. De jouer avec les Africains. Les Africains, ils ont tendance à jouer, c'est avant de dire approcher, à jouer comme ça. Dans la Caraïbe, on joue comme ça. C'est parti. On va un peu la fenêtre. On pose les voisins. Roots, rocks, reggae. It's a reggae musica. Thank you.
talk this morning. I saw that I was today when I woke up this morning. I saw that I was today. Wow, greatness. J'ai perdu les clochettes en cours de route, donc voilà, j'ai... L'homme orchestre. David Benz, l'homme orchestre. Je travaille un nouvel album qui sera entièrement acoustique, je vais comme ça. Et en fait, ça va être un mélange entre des sonorités, mais bon, jouer avec ces instruments-là, donc. Ça sera un mélange entre des sonorités reggae, Naya Bingi, roots, aussi le traditionnel des Antilles françaises, à savoir le Bénin ou le Boka, mélangé avec du mento, aussi des sonorités hip-hop, mais aussi du beatbox, de la musique vocale, mon sifflet, tu vois, par exemple. Et j'appelle ça, et du coup, ça donne une espèce de nouveau style musical que je baptise Rhythm and Roots. Ah, là, c'est ça. Là, tu me l'as fait acoustique. Mais il y a moyen que tu prennes ça, que tu amènes ça dans un studio, puis que tu fasses masteriser ça, puis mixer, puis tout, j'imagine? Ah, bien sûr. Mais pour l'instant, je travaille, quoi. Là, j'ai 12 morceaux. As-tu... Il y a 12 morceaux que je travaille, et quand ils seront bien carrés, ben là, ça sera studio, quoi. As-tu un studio en vue? As-tu quelqu'un, déjà une équipe en place là, pour s'occuper de l'enregistrement? De la production oui, et tout? Et j'ai même du matos ici, mais je ne sais pas le brancher. Donc j'attends qu'un ami qui s'y connaisse vienne m'aider à brancher et configurer le matériel. Et comme ça, je pourrais... Il me manque deux, trois petits trucs aussi. Mais comme ça, je... Tu vois, mon truc, c'est 100% indépendant, quoi. Ben, c'est ça, tu veux. Je n'ai pas dépendre d'aucune maison de disques, tu vois. Et d'ailleurs, ma musique, je l'offre, je ne la rends pas. Je me fais payer que mes prestations scéniques.